we're going to read the book, Etienne ne fait plus pipi au lit. Etienne ne fait plus pipi au lit. Etienne ne fait plus pipi au lit. Quand Etienne était bébé, se promener avec une couche était vraiment trop mignon. Mais une fois plus grand, c'est devenu embêtant. Les couches ont grandi avec lui. C'est de plus en plus difficile d'en trouver une à sa taille aujourd'hui. Dans la journée, ça va. Dans la journée, ça va. Etienne fait pipi comme un grand dans les toilettes. Mais la nuit, c'est une autre histoire. Certains soirs, il décide de ne pas mettre de couche parce qu'il se dit « Je suis grand maintenant. » Parfois, tout se passe bien. Et parfois, ses draps sont tout mouillés. « Ce n'est pas grave, dit maman. Il te faut un peu plus de temps. » À l'approche de l'hiver, Etienne est invité chez Léo, son meilleur ami, pour fêter son anniversaire. On mangera un gros gâteau au chocolat. Et j'ai aussi invité Agathe et Adèle. Bien sûr, Etienne accepte l'invitation. La fête commence bien avec un magnifique spectacle de marionnettes. Puis, alors que de gros flocons commencent à tomber, les enfants dégustent le gâteau. Etienne a la bouche pleine. C'est délicieux. Etienne fait attention de ne pas boire, de ne pas trop boire. Il ne fait plus pipi dans la culotte la journée, mais quand même, on ne sait jamais. La fin de la journée arrive. C'est le moment de partir. Impossible d'ouvrir la porte de la maison. La neige est trop haute. Les enfants, dit la maman de Léo, je vais appeler vos parents pour les prévenir. Car je crois bien que cet anniversaire va se terminer en soirée pyjama. Youpi! Crient les enfants, sauf Etienne, inquiet. S'il faisait pipi au lit, dans la salle de bain, la maman de Léo, connaissant le secret d'Etienne, lui propose une couche de Max. Le petit frère de Léo. Elle te serrera peut-être un peu, mais Etienne n'en veut pas. Il ne fera pas pipi. «
La nuit est vite tombée. Les enfants fatigués se sont endormis. Seul Étienne a les yeux grands ouverts. Il ne veut pas faire pipi au lit. C'est alors qu'il voit Léo prendre discrètement une tétine dans le tiroir de la table de nuit. Oh, mais tu ne diras rien au copain? Non, ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Tu sais, moi, je porte encore une couche pour dormir, mais cette nuit, j'essaie d'être grand. Je n'en ai pas mis. Alors, je vais essayer de ne pas prendre ma tétine. Au petit matin, Léo et Étienne se réveillent après une bonne nuit de sommeil. Léo a très bien dormi sans sa tétine. Quant à Étienne, il n'a pas mouillé son lit. Tous les deux sont heureux de cette première nuit sans couche ni tétine. Je suis un grand à présent, se dit Étienne, très fier de lui. Ok, c'est la fin du livre. Étienne ne fait plus pipi au lit. J'espère que vous avez aimé la lecture. Thank you for watching. Please subscribe and like the video. See you next time.